Salut tout le monde, c'est SuperLuc22, comment allez-vous? Eh bien moi je vais plutôt bien en ce moment en ce qui me concerne, parce que je vais débuter un nouveau let's play en votre compagnie. Le let's play du cutissime, de l'extravagant, que dis-je, d'un des meilleurs jeux jamais créés selon moi, Bioshock. Alors pour moi la série des Bioshock, c'est une grande histoire d'amour. À part pour le dernier, Infinite, qui m'a un petit peu fâché avec la licence, même si l'histoire était assez sympa. J'ai toujours pas joué à Burial at Sea, les deux extensions de DLC. On verra. Mais j'avais essayé, donc je le répète plusieurs fois hein, lorsque je fais des let's play. J'avais essayé de faire un jour un let's play de Bioshock 2 qui avait échoué lamentablement. Donc en fait, j'ai toujours l'intention de faire ce let's play de Bioshock 2, mais je le ferai après ce let's play de Bioshock 1. J'explique pas trop l'histoire, elle se dévoilera devant vous. On va jouer en normal. Et j'espère aussi, surtout, que le petit trailer que vous avez eu il y a quelques semaines, je dirais, vous a plu. Allez, alors, on va faire une nouvelle partie en moyen. Et je vais me taire pour laisser toute l'introduction vous envahir. Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Le plus grand, c'est qu'ils avaient raison. Eh bien écoutez, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Soit on reste ici et on se noie, soit on va vers ce phare. Oui, écoutez, on va nager vers le phare. Donc on était dans un avion, direction de voir des cousins d'Angleterre. Donc visiblement, si on va en Angleterre en avion et qu'on passe par le Mid-Atlantique, c'est qu'on est américain. Et donc on s'est écrasé à côté de ce phare. Et pourquoi à côté de ce phare? Première énigme du jeu, pourquoi juste à côté de ce phare? On verra ça. En attendant, pour l'époque, regardez ça. C'est magnifique. Hein. Les textures sont juste splendides. Il y a des effets. Regardez le relief des pierres. Et tout ça, c'est juste vraiment magnifique. Hein. C'était le jeu le plus beau de son époque. Et également le jeu qui gérait le mieux la gestion de l'eau pour son époque. On peut retourner à l'eau et tout, c'est trop bien. Mais je vais faire une petite ellipse parce que j'ai l'impression que mon micro a eu des petits soucis. Ellipse. Bon, on est chanceux, il a pas subi de problème. Donc là, il y a encore l'incendie de l'avion. Je me demande toujours comment c'est possible qu'il y ait du feu sur de l'eau comme ça. On dit il n'y a pas le feu au lac, mais il n'empêche, c'est bizarre quoi. Il devait y avoir. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi ce feu persiste, ce serait sympa. Donc je regarde à quelle heure je commence. D'accord, Steam veut pas se ficher, bon bah le portable. D'accord, nous commençons à aller, on va dire à 24. Donc à 44 on va arrêter.
Donc on a un magnifique une magnifique porte du phare là avec un R. Qui est, c'est pas un phare traditionnel. Ni Dieu ni roi, le pouvoir à l'homme. Oh le vent. Ni Dieu ni roi, le pouvoir à l'homme. Donc là on se dit ouais, il y a un petit truc bizarre. Quel pays pour moi et mes semblables. Andrew Ryan. On s'enfonce dans le manoir. À la base, je pense qu'on est rentré dans ce manoir pour chercher un petit peu d'aide. Science, industrie, art. À la base, on est venu pour chercher de l'aide, hein, pas pour rentrer dans une quelconque bâtisphère. Mais ça, c'est une bâtisphère, ça existe réellement. Chercher sur internet. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas le choix. Allez. Je tiens à dire que je filme. Là, il y aura des moments où je vais me taire un peu. Ce seront des moments en fait où je vais prendre des images pour le trailer. Parce que là où je tourne, il n'est pas encore filmé. Je suis en train de le préparer. Donc là, je vais me taire. Pour les images. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs. Où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine. Où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les crozos m'arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce qu'une bâtisphère descend. Et à moins que le bazar là-haut ait pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Légèrement muet parce que comme je vous dis, j'essaie de filmer pour le trailer. J'essaie de garder les meilleurs moments, les moments les plus beaux. J'essaie de faire des panoramiques. Bon, je me tais. D'accord. Encore une petite minute. La bâtisphère arrive. Johnny, la sécurité s'est déclenchée partout. Reste pas là, vite. Je savais pas que c'était interdit. Ne faites pas de mal. Laissez-moi partir. Je vous donne mon arme. Vous pouvez... C'est un nouveau. Ah!
Prenez cette radio à Hong Kong, s'il vous plaît. Alors c'est parti, mes amis. Visiblement, on est tombé dans une ville sous-marine construite par quelqu'un qui en a marre du capitalisme. Prenez cette radio à Hong Kong. Le gros homme est toujours là, dehors. Ok. Alors, on verra ça plus tard. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas, et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter. Donc, visiblement, on est dans une ville créée par un homme. Respirez profondément et sortez de la bathysphère. Ne vous en faites pas. Je ne vous lâche pas d'une semelle. Il va falloir la tirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance. Vite à chambre. Donc, créé par un homme qui en avait marre du capitalisme, du communisme et des chrétiens. Donc, les trois valeurs qui étaient en... Oula, on saute haut quand même. Hein. Wow. Ah ouais, c'est bizarre. Wow. Enfin, bref. Donc vous avez vu, ça se passe en 58, hein, donc c'est pas très loin après la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, les cons. Rapture est morte. Nous ne sommes pas votre propriété. Finissons-en, élevons-nous. Nous ne sommes pas à Raya. Je vais te faire souffrir longtemps. Oh god. Désormais interdit, rapture est mort. Alors visiblement, cette vie qui était censée être utopique a dégénéré. Vous n'auriez pas dû venir. Oh god. Oh god. Bon, essayez de vous dégoter une baramine ou quelque chose du même tonneau, je vous prie. Ces satanés crozos m'ont enfermé Johnny avant de... On a une baramine. Notre première arme. Donc à l'instar d'un jeu d'un Half-Life. Oh, putain, elle est puissante ta baramine. Un canapé. Canapé ! Il l'est trouvé comme ça. Pef ! T'as mangé, hein ? Ils sont moches, ces messieurs. Crozome. Choisissez vos plasmides et évoluez. Plasmide. L'évolution dans une bouteille. Plasmide par Ryan Industries. Palais de sécurité, détendez-vous. Ils ont travaillé sur l'ambiance dans le jeu. Téléportation, allez-y plus vite. Alors ça, c'est un easter egg. En fait, ce plasmide a été annulé. Donc pour ceux qui connaissent, on verra ce que c'est le plasmide plus tard. Mais ce plasmide-là était prévu, mais il faisait laguer le jeu, donc il a été annulé. Et là, donc, je vais me taire. Je vais préparer la petite séquence de trailer. Pas pour le moment, c'est dans l'option de jeu. Voilà, pas de sous-traite. Pas d'entraînement évolutif, je sais jouer, merci. Je résume. Tu crois que celui-là a son compte? Tu crois qu'il a encore de la dent sur lui? T'as entendu ça? Allez, viens, on se tire.
Mauviette, t'es qu'une mauviette. Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche, t'as toujours été lâche. Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite. Tu finiras par boire la grande tasse. Regarde, Sylvie. C'est un ange. Je vois de la lumière qui sort de son ventre. Attends. Il respire encore. Tout va bien. Je sais que ce sera un ange. Donc on est introduit à plusieurs trucs. Déjà, il y a une guerre pour quelque chose qui s'appelle la dent, visiblement. Il y a des mutants, parce qu'ils n'avaient pas l'air très très humains non plus. Il y a des grosses bestioles avec des yeux verts qui s'appellent les protecteurs. Et il y a des petites filles qui ont des yeux bizarres. Et il y a des super pouvoirs, hein, c'est bien entendu. Ce jeu est très étrange pour l'époque, et c'est ça qui a fait tout son charme. Donc on a un plasmide. Donc contrairement au deuxième et à Infinite, on doit alterner entre arme et plasmide ici. Et les deux sont efficaces. C'est-à-dire que par exemple vous devrez switcher sur le plasmide, électrocuter l'ennemi et lui mettre une coup de baramine. Parce qu'un plasmide affaiblira votre ennemi. Donc là on a une porte qui est fermée et on a une commande de porte électrique qui n'a pas fonctionné. Problème réglé. Oula, qu'est-ce que c'est ? Oh shit! Oh god! Donc ce jeu à l'époque avait la meilleure gestion de l'eau. En 2007, hein. Ce jeu avait la meilleure gestion de l'eau qu'on pouvait imaginer en 2007. Il y avait même les poissons. Ouais, il me semble qu'on pouvait pas les frapper, non? Bon, on va peut-être s'échapper avant d'être inondé. Appuyez sur le bouton droit souris pour équiper les plasmides. Seringue d'Ève. Alors l'Ève en fait c'est la mana, tout simplement, on peut appeler ça comme ça. C'est ce qui va alimenter nos plasmides. T'es vite à chambre, ça on verra quand je mourrai. Oh là, un chat. Pauvre chat. J'aime bien le bruit. J'aime bien le bruit. Même si... Oh god. Électrosomes, faites une combinaison. Électrocutez-les avant de les assommer. Vous ferez d'une pierre deux coups. Donc ça je où t'es connard? Spare! Pef! 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 Ils sont très moches, hein. Ouais, ça. Et je vais voir qui c'est qui m'embête sur Skype. Ellipse! Et non, voilà, j'ai réglé le problème. Alors, je suis désolé de faire toujours ces ellipses et coupures. C'est pas génial pour vous. Cigarette fumée. Alors, cigarette, ça enlève de la vie et ça rajoute de l'Ève. J'ai plus d'Ève, donc je vais en manger un peu. Vous avez vu, il y a un petit compteur, 3 à côté de mon Ève et 2 à côté de ma vie. En fait, ce sont les seringues d'Ève et les kits de soins. Les seringues d'Ève, en fait, vous permettent de simplement vous en remettre un coup. Donc, on va en mettre une. Donc, il faut s'équiper du plasmide et appuyer sur la touche recharger. Et hop, on se plante une seringue d'Ève. Donc, le jeu est vachement glauque. Le jeu, à l'époque, était un jeu plutôt... orienté horreur, c'était pas un horreur comme on peut en voir aujourd'hui avec Outlast par exemple. C'était de l'horreur d'ambiance, de l'horreur glauque, c'était un truc qui te dégoûtait. Mais pef! Dites à Ryan que je suis désolé, ça n'arrivera plus! Non! Pitié! Faites pas ça, tout va exploser! Non. Oh god! Oh god, il a mangé lui. Je peux me contrôler. C'est vrai. C'est tout ce que vous savez faire. Paf. Il a brûlé. Donc on va essayer de voir pourquoi cette ville est tombée en cendres, parce qu'elle avait l'air d'être prospère. Andrew Ryan, donc le créateur de la ville, ils ont l'air de pas trop l'aimer.
l'ascenseur. En fait, là, on sait pas du tout. On est mené en bateau, limite. Parce que nous, on demandait simplement d'aide pour pouvoir se barrer. Pourquoi est-ce qu'ils nous emmènent ici? J'ai une famille. Je veux les faire sortir d'ici. Cependant, les chromosomes m'empêchent de les rejoindre. Si vous pouvez les rejoindre au trésor de Neptune, alors que, peut-être, vous pensez certainement que vous êtes l'homme le plus malchanceux de la Terre en ce moment. Mais vous êtes mon seul espoir de revoir un jour ma femme et mes enfants. Allez au trésor de Neptune. Trouvez ma famille. Je vous en supplie. D'accord. Bon, maintenant, on a un objectif. Il a moins de sortir, mais il faut qu'on aille chercher sa famille. Peut-être pas aller par là. Prise de soin. Les barres énergétiques. Ça, c'est Andrew Ryan, si je me trompe pas. C'est le visage de Andrew Ryan. Pourquoi c'était avant? Et puis je... Pourquoi tu n'es plus là, hein? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Et pas quand tu étais toute chaude et toute gentille avec moi? Chaud. Pourquoi, maman? Eh bien, mes amis, en plus, vous savez quoi? Cliffhanger. C'est la fin de l'épisode. Et oui, je suis désolé, c'est un petit peu plus court comme ça. Mais au moins, on a des épisodes de 20 minutes, hein. Ça, vous aurez le temps d'apprécier le let's play. Je vous dis à la prochaine, salut tout le monde!